à tous, je suis Marie Messager et je vais vous présenter aujourd'hui les freins restrictifs buccaux. Cette petite formation s'adresse à tout public, que vous soyez professionnel de santé ou non, et j'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Nous allons voir dans cette formation ce que sont les freins restrictifs buccaux, les symptômes que l'on retrouve chez la mère et chez l'enfant, comment tester les freins, comment se passe la frénectomie dans le cas où cela est nécessaire, les exercices et nous finirons par la place de l'ostéopathie dans la prise en charge de ces freins. Alors, que sont les freins? Quand on parle de freins, on parle de trois types de freins. Le frein de langue, le frein de lèvres supérieur ou inférieur, mais aussi des freins de joue. Un frein se définit comme un résidu embryologique de tissu. Pour la langue, il se situe sur la ligne médiane, donc la ligne du milieu, entre la surface inférieure de la langue et le plancher buccal. Pour la lèvre, il se situe également sur la ligne médiane, mais entre la gencive au niveau interincisif et le milieu de la lèvre. La majorité du temps, on le retrouve au niveau de la lèvre supérieure, mais on peut également en retrouver entre la gencive et la lèvre inférieure. Pour le frein de joue, c'est également un résidu de tissu, mais entre la gencive et la joue. On peut en avoir plusieurs sans pour autant que cela soit symétrique. Par exemple, on peut en avoir deux à gauche et un à droite. Un frein restrictif, quant à lui, est en réalité un frein qui va perturber la fonction. Par exemple, pour la langue, on va parler de frein restrictif de langue si ce dernier limite les mouvements linguaux normaux. Alors, comment apparaissent ces freins? Dans la vie intra-utérine, la langue va se détacher du plancher buccal grâce à un phénomène dit d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire programmée. C'est exactement le même phénomène pour les doigts des mains et des pieds. L'embryon a d'abord des mains et des pieds palmés, puis, grâce à l'apoptose cellulaire entre les phalanges, les doigts de la main vont être dessinés. Pour la langue, ce phénomène d'apoptose a lieu à la 12e semaine de vie intra-utérine et c'est entre la 15e et 18e semaine de vie intra-utérine que va apparaître le réflexe de succion. Si le phénomène d'apoptose est incomplet, il restera un résidu membranaire, donc les fameux freins. Donc, si c'est incomplet au niveau de la langue, on aura un frein de langue. Si c'est incomplet au niveau de la lèvre, un frein de lèvre, etc. Mais faites bien attention, ce n'est pas parce qu'il y a la présence d'un frein qu'il y aura des problèmes. Là, nous allons voir les symptômes que l'on peut retrouver chez la maman, chez le bébé et aussi chez l'enfant. Donc, on va voir les symptômes que peut provoquer un frein restrictif buccal. La présence d'un frein tout court ne génère pas forcément de symptômes. Concernant les symptômes chez la maman, je devrais d'ailleurs préciser chez la mère qui allaite, même si l'allaitement est mixte. Enfin bref, chez la maman qui a son bébé au sein et du coup qui peut ressentir les troubles de succion de son bébé. La mère va nous dire que son allaitement est douloureux et parfois extrêmement douloureux. Qu'elle a ou a eu des crevasses, qu'elle a eu des saignements, qu'elle est obligée d'utiliser des bouts de sein parce que sinon son bébé lui fait trop mal, que son bébé prend mal le sein, se positionne mal ou qu'il n'arrive pas du tout à prendre le sein, qu'il le rejette complètement. Elle va également nous expliquer qu'elle va faire des engorgements, allant même jusqu'à la mastite, qu'elle a la sensation de donner tout le temps le sein à son bébé et puis à force, ça va jouer sur son moral, déception, culpabilité, sensation d'être une mauvaise mère. C'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment régler ces troubles de la succion parce qu'ils participent à la dépression postpartum qui est déjà compliquée. Donc si on pouvait enlever au moins cette cause-là, ça serait plus facile. Tous ces symptômes s'expliquent simplement par un problème de succion. Ce problème peut en effet être dû au frein, mais aussi être dû à un trouble de la succion sans aucun rapport avec ces fameux freins restrictifs buccaux. Cela peut être dû aussi à une mauvaise position d'allaitement, etc., etc. C'est la raison pour laquelle je recommande de prendre rendez-vous avec une consultante en lactation pour corriger ce qui peut être facilement réglable.
Donc, si la succion n'est pas correcte, déjà la prise au sein peut être compliquée et peut provoquer des douleurs, des crevasses, etc. Mais une mauvaise succion ne va pas stimuler correctement le sein et ne va pas suffisamment le vidanger, d'où l'engorgement, mais aussi la sensation de donner le sein tout le temps. Un petit qui a un problème de succion va avoir du mal à téter et ça va lui demander un gros effort. Il va donc facilement se fatiguer et va s'arrêter de téter. Et donc on aura l'impression de devoir lui donner toutes les heures, toutes les 2 heures, etc. Et à force, si la succion n'est pas optimale, la glande mammaire produira beaucoup moins de lait. D'où la fameuse phrase de la mère que l'on entend souvent, qui pense ne plus avoir assez de lait. En réalité, ce n'est pas elle, c'est son corps qui ne produit pas assez parce qu'il n'est pas correctement stimulé. Alors, tout ceci se traduira chez le bébé par la fameuse mauvaise prise au sein. Donc, par exemple, dans les cas de frein de lèvres, on risque d'avoir la lèvre supérieure qui est retroussée et pas correctement placée et qui ne fait donc pas l'effet ventouse sur le sein. On va retrouver un creusement des joues excessif lors de la succion, par compensation. Un mouvement excessif de la mâchoire. Ce sont par exemple les petits qui vont avoir tendance plus à mordre le sein qu'à faire travailler la langue. On a des petits qui tètent longtemps et souvent plus de 30 minutes, qui s'endorment au biberon ou au sein comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ils ne prennent donc pas assez de poids. On retrouve aussi un bruit de claquement pendant la succion. Et on peut observer très fréquemment une boule de succion, qu'on appelle aussi ampoule de succion, qui va se retrouver au niveau de la lèvre supérieure et qui est liée en fait au frottement de la lèvre sur la peau parce que celle-ci n'est pas correctement positionnée puisqu'elle n'est pas recourbée. On observe aussi un réflexe nauséeux antérieur, c'est-à-dire que dès qu'on va placer notre doigt ou n'importe quoi dans la bouche du petit, dès le début du palais, le bébé va avoir le réflexe de vomir. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, dans les cas de frein de langue, restrictif, le petit ne peut pas lever la langue au palais. Et donc, rien ne touche son palais. Et donc, dès qu'on va placer, par exemple, une cuillère quand il va être un peu plus grand, il va vomir. On observe aussi une corrélation entre frein de langue restrictif et aplatissement du crâne. On observe aussi chez le bébé qu'il a souvent la bouche ouverte, il dort souvent la bouche ouverte. Alors, ça peut être mignon, mais c'est également une porte d'entrée des infections ORL. Ça donne des bébés qui n'arrivent pas à garder la tétine en bouche. Dans les cas de frein de langue restrictif, on peut observer que la pointe de la langue est en forme de cœur. Et on observe souvent que le lait coule. Souvent, on dit que le bébé en fout partout. Le lait coule par les commissures des lèvres, ça qui montre qu'il ne fait pas une ventouse vraiment étanche, que ça soit sur le sein comme sur le biberon. Enfin, on observe souvent des langues blanches qu'on appelle pseudolocoplasie ou langue de lait. Ce sont des langues qui sont blanches en raison du dépôt de lait. Quand l'enfant lève correctement sa langue, il va venir racler sa langue sur le palais. Si il n'arrive pas à lever la langue parce qu'il y a un fil qui l'empêche de lever la langue, et cette langue va être blanche. Attention, on confond souvent cette fameuse pseudolocoplasie avec la présence de muguet. Pour faire la différence entre une langue de lait et le muguet, il suffit de regarder les gencives et les joues. Si les gencives et les joues ont également des points blancs, c'est en faveur du muguet. Si seule la langue est blanche, c'est probablement juste des dépôts de lait. Mais je vous invite fortement à consulter votre pédiatre ou votre médecin, dans les cas de doute concernant le muguet ou cette fameuse langue blanche. Chez l'enfant, on va retrouver des infections ORL chroniques. Comme je vous l'ai expliqué, ce sont souvent des enfants qui ont la bouche ouverte et du coup, c'est une porte d'entrée des infections. Ce fameux réflexe nauséeux que l'on découvre parfois justement plus grand quand on essaye de diversifier l'alimentation. On aura donc des troubles de l'oralité,
L'asymétrie du crâne, comme je vous l'ai expliqué, il y a une corrélation entre aplatissement du crâne qu'on appelle plagiocéphalie et frein de langue restrictif. On retrouve aussi souvent, et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les parents nous emmènent en consultation leur enfant, ce sont les troubles du langage et les troubles orthodontiques. J'aime beaucoup l'image de Richard Baxter dans son livre sur le frein de langue, où il compare un frein à deux baskets qui auraient les lacets attachés entre elles. Quand nos chaussures sont liées entre elles, on peut un peu marcher, parfois courir, mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus difficile. Et bien c'est pareil pour un frein. Je pense que vous l'avez tous expérimenté et qu'on a tous demandé à la vendeuse en magasin de chaussures d'enlever l'antivol pour faire trois pas. Donc, si l'enfant a sa langue attachée, il lui sera beaucoup plus compliqué d'effectuer certains sons. Ce ne sera pas de la mauvaise volonté, en fait, il ne pourra pas. Tout comme vous ne pourriez pas courir un 100 mètres en moins de 15 secondes avec des chaussures attachées. Ceci est important à retenir, car dans les prises en charge en orthophonie, ce qui sont indispensables lors des troubles du langage, il convient de vérifier la présence ou non de freins restrictifs buccaux. Sinon, on travaille dans le vide. Si sa langue est liée, déglutir sera aussi compliqué, d'où les troubles de l'oralité dont on vient de parler. Une langue qui ne se lève pas ne va pas appuyer suffisamment sur le palais. On va retrouver un palais creux et le maxillaire, c'est-à-dire l'os qui forme les deux tiers du palais, ne sera pas correctement stimulé, modelé, et c'est la raison pour laquelle on retrouve de nombreux troubles orthodontiques. Dans les cas de frein de lèvres, on peut retrouver aussi un espace interincisif important. Ce sont les fameuses dents du bonheur. Mais l'esthétique n'est pas une bonne motivation pour couper un frein. On peut retrouver des troubles musculo-squelettiques, comme par exemple les douleurs cervicales, qui apparaissent en raison des mécanismes de compensation que l'enfant met en place. Ou l'adulte d'ailleurs, puisque l'adulte peut aussi avoir des freins qui n'ont pas été décelés avant, et c'est d'ailleurs un motif de consultation qu'on a fréquemment. Les cervicalgies chroniques peuvent être liées à un frein restrictif. Nous allons voir maintenant comment tester ces fameux freins. Pour tester un frein buccal, que ce soit de langue, de lèvres ou de joues, on va effectuer des mouvements que je vais vous montrer tout de suite. Et à chaque fois, on va observer différents critères. L'amplitude du mouvement, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller quand je fais ce mouvement-là. La qualité du mouvement, est-ce que je sens une résistance et si oui, où est-ce qu'est située la résistance. Détraction ou latéralisation, par exemple, est-ce que la langue dévie plus à gauche ou plus à droite, etc. Et la couleur, lorsqu'on va faire ce mouvement, ce entre guillemets étirement, est-ce que la membrane blanchit, est-ce qu'elle blanchit tout de suite ou pas, etc. Ces tests, et ça c'est très important à retenir, doivent tous être effectués sans forcer, sans provoquer la moindre douleur. On ne force pas. Pour tester la langue, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai effectuée sur une bouche marionnette, ce qui permet de voir plus facilement la langue et où placer les doigts. Donc avant toute chose, moi je vous conseille de vous mettre à la tête de l'enfant, du bébé ou de l'adulte pour plus de facilité. Donc avant de mettre les doigts dans la bouche, on prévient l'enfant et on va d'abord toucher ses lèvres pour voir s'il nous laisse faire. Puis après, on va arriver au niveau des gencives. Donc là, sur le modèle, il y a évidemment des dents, mais sur un tout petit, il n'y en a pas. Donc on se balade le long des gencives, etc., etc. Quand il nous laisse faire, on peut gentiment aller voir le palais à ce niveau-là. Donc on n'attaque pas direct le palais là, on va aller vraiment vers la zone la plus antérieure parce que les petits qui ont des gros freins de langue restrictifs ont un réflexe nauséeux très important et le simple fait de mettre le doigt à ce niveau-là va provoquer ce petit réflexe nauséeux et l'enfant va faire du coup voilà. Donc ça va nous permettre déjà de tester ce réflexe nauséeux, de tester la forme du palais, de voir s'il est creux ou pas, etc., etc. Ensuite, pour revenir vraiment spécifiquement au frein de langue, on va se balader sur la gencive du bas et on va essayer de juste glisser le doigt sous la langue. Donc, accéder par là, ça va être compliqué. Hop.
Donc, on passe les gencives et hop, on glisse le doigt dessous. Là, on peut se balader entre la gauche et la droite. Lorsqu'il y a un frein de langue antérieur, sans qu'il soit particulièrement restrictif, mais lorsqu'il y a une membrane antérieure, il n'est pas possible de passer d'un côté de l'autre de la langue. Donc, c'est le premier truc qu'on teste. C'est est-ce que je peux aller de l'autre côté ou pas ? Même si on ne peut pas aller de l'autre côté, ce n'est pas un problème. Donc, hop, je mets un doigt. Après, j'essaye gentiment de lever la langue et je teste pour voir est-ce que j'arrive à lever ce côté de la langue, comment la langue réagit, y a-t-il des mouvements parasites et est-ce que je peux le faire. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je repars de mes gencives, tac, 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 tac. Je glisse mon doigt sous la langue et j'essaye de lever. Enfin, je vais mettre un doigt et hop, je vais venir lever la langue. Je vais venir lever la langue. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de frein, même il a subi une frénectomie. Mais dans les cas de présence de frein, ça ne sera pas possible de lever autant la langue. Vous allez voir la membrane et la membrane va plus ou moins blanchir. On peut avoir un frein de langue sans que ce ne soit restrictif. C'est pour ça qu'on fait ces tests-là. Est-ce qu'on arrive à soulever ? Quelle est l'amplitude ? Est-ce qu'il y a des restrictions ? Est-ce qu'on sent des déviations ? C'est-à-dire, par exemple, je peux très bien lever à droite, mais à gauche, ça bloque, etc., etc. Ensuite, on peut venir chatouiller un petit peu la langue sur les côtés pour voir comment elle réagit. De l'autre côté, est-ce qu'elle se latéralise ? Est-ce qu'elle ne se latéralise pas ? Et si oui, comment ? Voilà comment on investigue un frein de langue chez une personne, que ce soit un bébé, un adulte ou un enfant. Cette vidéo, c'était pour tester un frein de langue. Maintenant, on va voir comment on fait pour tester un frein de lèvres. Vous allez vous rendre compte quand on fera la partie exercice qu'entre le testing et les exercices, c'est un peu la même chose à 2-3 variantes près. Donc, pour la lèvre, ce qu'il va falloir faire, c'est juste de placer votre doigt entre la gencive et la lèvre du petit et de vous balader. Vous allez remarquer que vous n'allez pas pouvoir passer de gauche à droite parce qu'il y a une membrane au milieu qui vous en empêche. Et on va placer un doigt, soulever la gencive à gauche, un doigt, soulever la gencive à droite. Et on peut le faire, comme je le montre là sur la vidéo, les deux en même temps. Hop, un doigt à gauche, un doigt à droite, et on soulève. Et on observe jusqu'où on peut soulever, est-ce que la membrane blanchit, etc. Pour ce qui est du testing des freins de joue, c'est un petit peu la même chose que la lèvre. Il suffit de placer votre doigt entre la gencive et la lèvre de vous-même si vous en avez ou de votre petit bout, donc en haut ou en bas, parce qu'on peut avoir des freins de joue sur la partie supérieure ou la partie inférieure. On se le balade le long de la gencive et en cas de frein, en fait, le doigt est bloqué, il est face à une petite membrane. On passe la membrane et hop, on recommence. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs freins, 2, 3, etc. Pour les mettre en évidence, ce qu'on peut faire aussi, c'est attraper la joue en mettant 1 ou 2 pouces à l'intérieur de la bouche et hop, on soulève la joue comme pour la décoller de la gencive, évidemment sans forcer et sans faire mal. Ça doit être totalement indolore. Et là, on peut observer comme un petit filet, comme une petite membrane qui correspondrait au frein de joue. Donc tous ces tests nous permettent de savoir si un frein de langue, un frein de lèvres ou un frein de joue est restrictif ou pas. Attention, un frein même restrictif ne doit pas être systématiquement coupé. Certains ont des freins restrictifs mais ont développé des stratégies de compensation. Il n'y a donc pas de raison de couper systématiquement. Mais si un trouble est mis en évidence, la question doit se poser. C'est-à-dire qu'on va combiner l'interrogatoire avec tous les signes cliniques qu'on a vus, ce qu'on a dans les mains, etc., etc., pour prendre la décision de est-ce qu'on fait couper un frein ou pas. Maintenant, nous allons voir
Comment ça se passe quand on a un frein restrictif et que l'on pense qu'une intervention est nécessaire? Si nous estimons qu'une frénectomie est nécessaire, nous réorientons vers le petit, l'enfant ou même l'adulte vers un professionnel formé, comme par exemple un ORL. Il existe deux types d'interventions, une frénectomie au laser ou une frénectomie au ciseau. Dans les deux cas, les études montrent que c'est exactement le même résultat. Dans les deux cas, ce n'est pas douloureux ou extrêmement peu douloureux. Et dans les deux cas, c'est très rapide, de quelques secondes à grand maximum 2 minutes. L'avantage du laser, c'est qu'il y a moins de saignement parce que ça cautérise en même temps. Le ciseau est parfois même plus rapide que le laser, mais le laser est quand même très rapide. Mais le problème du ciseau, c'est qu'on peut avoir un tout petit saignement. Je vous rassure, ce n'est pas une hémorragie, c'est un petit saignement. À la question que se posent beaucoup de parents sur le point de vue de la douleur, ce n'est pas douloureux parce qu'un frein, cette petite membrane, en fait, n'est pas du tout innervée. Donc, il n'y a pas de nerf. Et donc, si on coupe, on ne ressent pas du tout de douleur. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait de consulter des professionnels formés, spécialisés dans les freins restrictifs buccaux. Premièrement, ça évitera d'envoyer un patient ou que vous consultiez pour votre enfant un professionnel qui vous dise non, non, c'est pas nécessaire, etc. Ou un professionnel qui va couper, mais qu'un tout petit peu, et donc ça va améliorer que partiellement le problème. Attention, très peu de professionnels sont formés et c'est le problème, c'est que parfois les délais peuvent être longs. Comme je vous disais, si c'est mal coupé ou pas suffisamment coupé, il faudra refaire une nouvelle frénectomie. Et même si c'est pas douloureux et que ça prend très peu de temps, autant éviter de faire subir une nouvelle intervention à un petit bout. Voici, je vous ai mis là quelques adresses qui sont connues en région parisienne. Vous avez le docteur Thierry Rousselet qui est à Châtillon, Eric Ferretch qui est dans le Paris 9e, qui sont tous les deux ORL. Voilà, après il y en a probablement d'autres aussi que je ne connais pas. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez des adresses, je suis vraiment preneuse d'en avoir. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me contacter directement. Je vais vous donner ici quelques petits conseils pour la frénectomie. Il va falloir effectuer des exercices avant la fréno ou des exercices après la frénectomie. Je précise, on en parlera dans la partie suivante, que même s'il n'y a pas de frénectomie, mais qu'on voit qu'il y a un frein qui est un petit peu restrictif ou que la langue n'est pas parfaitement fonctionnelle, etc., les exercices sont indispensables. Petit conseil chez la mère qui allaite, on conseille de faire des petits glaçons de lait. L'idéal, c'est même de trouver des petits bâtonnets de lait maternel et de les placer après sous la langue de bébé après la frénectomie. Comme vous le savez très probablement, le lait maternel est un très bon cicatrisant et donc ça permet d'accélérer la cicatrisation de la frénectomie. Ce n'est pas indispensable, mais c'est le petit tips qui aide quand même. Enfin, j'attire aussi votre attention sur le fait que dans les jours qui suivent la frénectomie, on peut avoir une perturbation possible de la succion. Votre enfant peut être un petit peu chafouin. J'ai pas mal de parents qui s'inquiètent parce qu'ils ont l'impression qu'ils mangent moins. Rassurez-vous, c'est complètement transitoire. Pour les effets de la frénectomie, d'après les études, on peut voir des effets jusqu'à 6 semaines. Donc, en fait, il y a des mamans qui emmènent leurs petits bouts faire couper, par exemple, le frein de langue. Elles les mettent direct après au sein et là, c'est miraculeux. Ah oui, il me fait plus du tout mal, etc. Il y en a où ça va aller mieux, mais c'est pas encore ça et ça va aller mieux au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Donc, soyez patients. Nous allons voir ici les exercices à faire avant la frénectomie, après la frénectomie, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, chez un petit qui a juste du mal à lever la langue ou qui ne place pas correctement sa lèvre au sein, etc. Vous allez voir que ça va être très rapide parce que ça ressemble beaucoup aux tests que l'on a vus. La grande question que l'on me pose souvent, c'est pourquoi faut-il faire ces exercices? Nous recommandons de faire les exercices avant comme après afin déjà de rééduquer un petit peu la langue.
Deuxièmement, ça permet d'habituer l'enfant à avoir des doigts dans la bouche et ça permet que la phrénectomie se passe encore mieux. Ensuite, ça permet d'habituer les parents parce que avant, si c'est pas très bien fait, c'est pas idéal, mais ça va. Mais après, il faut vraiment les faire. Et de 3, ça permet une meilleure cicatrisation de les faire avant comme les faire après. Après, il est indispensable donc de faire ces exercices pour éviter que ça se rattache, en fait que la plaie reforme une cicatrice et reforme un frein. Alors, quand faire ces exercices? Avant la phrénectomie, je préconise de les faire 2 à 3 fois par jour. Après la phrénectomie, 5 à 6 fois par jour dans les 2 semaines qui suivent la phrénectomie afin de vraiment éviter un rattachement. Les exercices, ça dure quelques secondes à 2 minutes, comme je vais vous montrer sur les vidéos suivantes. Et ces exercices, on va les faire pendant 3 à 6 semaines. Les puristes insistent sur le fait de faire ces exercices en post-phrénectomie, y compris la nuit, donc de réveiller l'enfant pour faire ça. Je ne préconise pas du tout cela. Parce que c'est un coup à perturber l'enfant. Si l'enfant est réveillé, on fait des petits exercices. S'il est réveillé la nuit, on en fait un petit peu. Par contre, si on n'a pas pu en faire la nuit, on insiste vraiment le matin parce que ça sera un petit peu recollé. Mais pour moi, on ne réveille pas un bébé la nuit. De même, on évite de le faire systématiquement avant un biberon. Parce que sinon l'enfant va associer truc pas agréable de mettre des doigts dans ma bouche et de tirer sur ma petite plaie au biberon et on voudrait pas déclencher des troubles de l'oralité chez l'enfant. Donc vous pouvez le faire après le bain, avant le bain, avant un biberon, c'est comme vous le sentez et vous pouvez varier. Pour les exercices concernant le frein de lèvres, vous allez voir, c'est exactement comme les tests que nous avons vus, sauf qu'on insiste un petit peu plus. Donc, je vous résume. On place un doigt sous la lèvre, entre la lèvre et la gencive. On se balade tout le long de la gencive. Ensuite, on va soulever la lèvre d'un côté, comme pour la décoller de la gencive. Ça va permettre de créer une petite tension sur le frein. Deuxièmement, on va placer un doigt à gauche, un doigt à droite. On va attraper la lèvre en pouce index avec les deux mains de chaque côté. Et on soulève la lèvre comme pour mettre la lèvre sur le nez. Je vous montre une vidéo sur le petit bout qu'on a vu tout à l'heure sur comment faire les exercices sur un frein de lèvre. Pour ce qui est du frein de joue, c'est complètement comme le test. On va venir balader le doigt entre la gencive et la lèvre. Et une fois le doigt au niveau du frein, quand il rencontre une membrane, comme on l'a vu tout à l'heure, là, on va venir masser un petit peu le frein des deux côtés, de part et d'autre du frein, off, comme si on voulait assouplir, entre guillemets, le frein. Puis,
avec notre doigt, on va soulever la lèvre comme pour décoller la joue. Donc, comme on a fait pour le test, décoller la joue de la gencive pour mettre en tension ce petit frein de joue. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est attraper la joue en mettant les pouces à l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on peut tirer la joue, la tenir quelques secondes, puis relâcher et recommencer. Emmener un petit peu en haut, un petit peu en bas, etc., etc. Et jouer comme ça. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne doit absolument pas faire mal. Ça peut gêner, mais si on voit qu'on gêne, c'est qu'on est arrivé au maximum. Donc, on revient en arrière. Pour ce qui est du frein de langue, voici une vidéo qui présente les exercices du frein de langue. Donc, c'est comme sur le test qu'on a vu sur la marionnette. Mais là, je vais vous montrer sur petit bout de chou. Comme vous le voyez sur cette vidéo, ces exercices prennent que quelques secondes et ne font absolument pas mal au bébé. Et on ne doit pas faire mal au bébé. Donc après la frénectomie, ces mêmes exercices que je viens de vous montrer en vidéo peuvent être effectués. Mais dans les premiers jours, les premières semaines, il ne faut pas appuyer sur là où les plaies. Là où ça a été coupé, c'est ce qu'on appelle le diamant. Simplement, on soulève pour mettre en tension, on évite que les tissus se recollent. Petit aparté, lorsque la plaie cicatrise, elle peut être plus ou moins blanche jaune. Ce n'est pas du pus, ce n'est pas une infection, c'est ce qu'on appelle de la fibrine. Plus les exercices sont faits avant, moins il y aura de fibrine. Mais surtout, ne paniquez pas si vous voyez que sous la langue, nous avons un petit losange blanc ou sous la lèvre, il y a un petit losange blanc. On continue à soulever sans faire mal, sans trop tirer. On ne touche pas sur la partie blanche qui va cicatriser. Quelques semaines après, une fois que vous voyez que c'est plus du tout blanc et que c'est cicatrisé, là, on peut venir masser cette zone que l'on appelle le diamant. Gentiment, toujours sans faire mal, toujours sans forcer. Maintenant, je vais vous parler de la place de l'ostéopathie dans la prise en charge des frénectomies. Alors, l'ostéopathe va avoir pour rôle déjà de détecter si ce n'a pas été déjà fait. Donc, je vous donne un exemple. Lorsqu'un bébé nous consulte au cabinet pour un bilan naissance ou reflux, colique, etc., systématiquement, on va aller vérifier la bouche du bébé. C'est ce que j'appelle du coup la détection. Donc là, on va faire exactement ces tests que je viens de vous montrer. Le but de l'ostéopathie, ça va être de lever toutes les dysfonctions qui peuvent rajouter des tensions. Ensuite, dans le cas des frénectomies, on va faire un bilan pré-frénectomie, un bilan post-frénectomie. Et pour les bilans post-frénectomie, on va le faire 3 jours, 3 à 5 jours après pour vérifier la bonne cicatrisation, etc. Et en même temps, revoir avec les parents les exercices pour qu'ils arrivent bien à les faire. Et on va revoir aussi le bébé 3 semaines après, pareil, pour vérifier la bonne cicatrisation. Mais on ne fait pas que vérifier la cicatrisation et les exercices. À chaque fois, on fait un check-up et on lève toutes les tensions musculo-squelettiques que l'on peut avoir, que ce soit au niveau cervical, au niveau de la mâchoire, au niveau du plancher buccal, etc., etc.
Voilà, j'espère que cette petite formation vous a plu. J'ai essayé d'être la plus synthétique possible et j'ai probablement omis d'autres choses, mais il existe des formations beaucoup plus poussées sur les freins. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Vous pouvez commenter ou m'écrire directement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Au revoir.